Be what you is, you gotta be what you are. Only thing I'm missing is a black guitar. I'm a rock star. Ah bah oui, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, j'avais des ordres, pas d'aller devant, d'attendre. Puis ça s'est bien roulé. Enfin, la pierre est dure. Puis le mien était encore mieux que la dernière fois. La dernière fois était très bien, mais là, encore supérieur. 13, c'est le tarif? Bah oui, 9,5, les derniers 500, pas mal. La suite de son programme, c'est le Albertville? Ça, je sais pas, ça c'est Philippe qui décide. Je pense, je suis pas sûr. Ça, c'est Philippe qui décide ça. Pierrot Bocador, tes impressions pour ce premier rendez-vous? Bon cheval, hein, bon cheval. C'est point de surprise qu'il était invaincu avant cette épreuve. La bonne note, c'est que son entraîneur Philippe n'était pas sûr du tout que j'arriverais à le démarrer aussi bien à ce poteau. Il n'avait jamais couru sur cette distance. Et en fait, il est parti sur la bonne et j'ai tout de suite pu prendre une position stratégique. Après, évidemment, Brillantissime étant parti plus vite que moi et sachant qu'il n'allait pas me résister parce qu'il cherchait un dos, j'ai été devant. J'ai contré une petite attaque en pleine, mais après, on a vraiment contrôlé tout le temps. Pour finir, comme souvent les chevaux, qu'on met un petit quelque chose pour les aider à négocier le dernier tournant, ils repartent un peu dans l'autre sens. Bon, voilà. Brillantissime a plongé en dedans et il a fini plus vite que nous, mais il s'est bien défendu toute la ligne droite, donc c'est très bien. Il t'a plu? Oui, oui. Je pense que sur la longue distance, il sera encore meilleur. Bébé, dans le dernier tournant, t'as dû y croire? Ouais, le cheval est bienvenu. Quand il l'a lancé, il a vagué un coup parti à droite, un coup parti à gauche. Mais les deux chevaux à Philippe sont bien repartis sur notre attaque. Qu'est-ce qui lui manque pour gagner une course comme ça? Au dire de Jean-Mi, à mon avis, le cheval a un peu trop tiré en début de parcours, malgré qu'on soit sur le pied de 11. À son goût, il l'avait un petit peu trop sur la main. Donc à mon avis, il va falloir que je munisse un petit lasso pour qu'il respire bien, je pense. Parce que là, après la course, il soufflait un peu, que d'habitude, il souffle pas. Et puis, on va sûrement, pour l'Albertville, essayer un débouche-oreille. Ça tourne. Et toi, Dédé? T'as perdu la prothèse à mini-droit, toujours? Eh, super. Hein? Oui, je crois. Ah ouais, je suis pas sûr que tu branles pour pas gagner à thé avec, c'est marrant. Je suis pas bon. Non, mais nickel.